c'est Solidaire d'abord, émission sur Fréquence 7, et on va essayer de décoder tout ce que ne décodent pas les médias mainstream. Alors aujourd'hui, on a plein de choses au sommaire, l'article 40 qui se profile là, pour le 8 juin, plus 4 degrés, il nous explique qu'il va falloir en passer par là, la censure qui se passe sur France Inter, Wauquiez qui baisse les budgets, culture, tout ça, et puis, bon, en fait, le néolibéralisme est là à tous les étages. Alors, on avait aussi un sujet sur EDF, sur les autoroutes. Est-ce que tu veux commencer sur les autoroutes, Denis, pour une fois, ou je sais pas? Oui, là, tu me prends de court, ben, je vais y aller. Donc, les autoroutes. Les autoroutes, ben oui, les autoroutes, ils ont... L'État avant les autoroutes, donc cet État, c'était du temps de Villepin et de M. Le Maire, qui était déjà là dans les cartons. Oui, qui était ministre à l'époque. Oui, Villepin, c'était Villepin, le ministre. Villepin et le Maire était secrétaire, pas secrétaire d'État, il était chef de cabinet. Voilà, donc c'était à ce moment-là, donc c'était prouvé que c'est un scandale d'avoir des autoroutes, que l'inflation sur les péages ont été énormes. Et qui se gavent tous, donc les EFAGE, les Vinci et compagnie. Et là, ils viennent de renégocier pour 3 ans supplémentaires pour l'entretien des autoroutes, pour faire des ouvrages. Donc ça a été signé. Donc les autoroutes font les ouvrages, mais ils font les ouvrages eux-mêmes. Et que EFAGE fait ses ouvrages sur son parcours à lui. Donc et ben, il prend sa marge deux fois. Une fois parce qu'il a 3 ans de plus, et une fois parce que c'est l'entreprise qui travaille. Il se fait travailler. Et le truc, c'est qu'il est soulevé là, parce que c'est Marianne, le journal Marianne, qui a soulevé le lièvre, c'est que la commission n'a pas fait son travail. Ils ont tout enterré, mis sous le coude, et c'est passé plus ou moins catimini. Donc maintenant, ça ressort. Et ben, là, on a vu Bonne, le ministre des Transports, qui volait au secours de. Parce que c'est Madame Borne et colère qui sont dans le collimateur, et on a vu M. Bonne qui voulait au secours. Clément Bonne. Oui, Clément Bonne, oui, qui est ministre des Transports, ouais. Qui voulait au secours de la ministre en disant que c'était des complotistes, voilà, c'était encore un coup de médiatique, que c'était pas vrai, que c'était faux, que voilà. On est toujours dans le même délire. Il n'y a jamais eu autant de complotistes. Oui, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on est complotistes. De toute façon, mais c'est la décivilisation, tu sais, là, il nous explique qu'on est décivilisés. En fait, la violence amène la décivilisation. Alors, il devrait s'interroger quand même de temps en temps, le petit cake là, qu'on a comme président, parce que au niveau, je trouve, de la violence, le 49-3, puis maintenant la menace du 40, de l'article 40, au moment où on va présenter cette loi par Liotte, là. Hein, non, je sais pas, vous ne trouvez pas que c'est violent là? Mais il explique, lui, c'est quoi cette décivilisation? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ben il explique que petit à petit, la France rentre dans une violence permanente. Alors en fait, il mélange tout, mais lui et les médias, hein, il mélange par exemple le gars qui s'est fait agresser à Saint-Brévin, là, le maire, et les 3 flics qui sont morts. Les 3 flics qui sont morts, ils sont morts dans un accident de voiture. Alors certes, il y avait un mec qui roulait à l'envers, je suis bien d'accord, mais n'empêche qu'ils sont morts dans un accident de bagnole, quoi. Donc voilà, ils faisaient leur métier. Et c'est la violence, tu comprends? Mais des morts par accident de voiture, il y en a tous les jours. Ouais. Ce qui est dramatique, c'est la drogue. L'automobiliste en face était drogué. Oui. Donc voilà, il y a un gros problème avec la drogue. Donc c'est pas... C'est triste les morts, hein, c'est pas pour minimiser. Mort c'est mort. Mais que ce soit l'alcool ou la drogue, ou tout un tas de trucs de synthèse, c'est dramatique pour la civilisation. Mais tous les pays industrialisés, les États-Unis, c'est encore pire que nous, tous les pays sont touchés par ça. Et alors, quand même, quand il parle de décivilisation, donc Macron, hein, il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Renaud Camus, qui est un mec très 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 à droite, qui a quand même signé son livre avec, comme ça, hein, décivilisation. Et puis, ça fait penser un peu au moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui a eu un accident du cœur, chevènement, là.
à un moment, il nous parlait des sauvageons aussi. Enfin, oui. Je trouve que c'est dans la même ligne. C'est-à-dire, c'est le moment où les gens qui se retrouvent soit ministres de l'Intérieur ou qui sont dans une pensée très agressive par rapport à l'ordre public, hein, que ça a été le cas de Chevènement aussi à un moment, ben, ces gens-là, ils veulent tout durcir, quoi. Alors, oui, il a partiellement peut-être raison des civilisations, parce qu'il est vrai que une société, quand elle se déshumanise, elle devient moins correcte. Oui, mais qui c'est qui est la manette qui, de la désolidarise qui, aujourd'hui, quand même, le capitalisme, ne respecte pas les plus pauvres, il ne respecte pas les travailleurs. Donc je crois que s'il y a quelqu'un qui déshumanise notre société, c'est bien le capitalisme. Et alors donc c'est là que je te fais le petit truc que j'ai fait tout à l'heure quand on préparait, c'est que c'est pas d'hier que les gens qui ont beaucoup de sous sont agressifs par rapport aux pauvres, tu vois. Parce que par exemple dans les années 30, au moment où les ouvriers ont eu les congés payés, qui sont allés à la mer, eh ben, les bourgeois, ils n'ont pas vu ça d'un bon oeil du tout. Hein. Donc maintenant, quand on voit les infos qui sont rapportées par rapport à ça, on voit des ouvriers qui sont tout contents d'aller à la mer, tout ça. De planter leur toile de tente. Voilà, de planter leur toile de tente et tout. Et pendant ce temps-là, tu avais les bourgeois qui faisaient la gueule et même qui payaient des gens pour chasser les ouvriers des plages. Quoi. Ben oui, c'est on ne mélange pas dans les milieux bourgeois, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ben oui, voilà. Le bourgeois est sa bonne, à la limite il en abusait un peu de temps en temps, ouais. Mais de toute façon, il n'invitait quand même pas, il n'invitait pas, disons, aux soirées, hein, ouais. elle était là pour servir. Et malheureusement, 80 ans après, c'est pas tous les Français qui partent en vacances, loin de là. Beaucoup de Français restent chez eux et partent en vacances. Et je dirais même que de plus en plus, il y en a de moins en moins qui partent en vacances. Ouais. Hein. Et pour revenir au chapeau de notre article, sur l'article 40, article 40, article 49.3, moi je trouve que ça fait penser à un coup d'État permanent, hein, comme disait De Gaulle, comme on a dit de De Gaulle, enfin Mitterrand a dit de cette République, 5e République de gaulliste. Et donc il y a une vraie question sur cette 5e République. Quand même. Oui, ils arrivent à passer au-dessus du Parlement. Oui. Au-dessus du Parlement, passer des lois, au-dessus, en passant par-dessus le Parlement. C'est des jongleurs, ils jonglent, disons, avec la loi pour leur bénéfice personnel ou, en tous les cas, du pouvoir dominant. Oui, mais en fait, c'est pas gagné. Et bon, c'est jamais gagné. Le 6 juin, nous avons une grosse manifestation, là, parce que le 8, c'est le vote de la loi. De Lyotte qui propose sa niche parlementaire. Donc le 6, il y a la grosse manif. Donc venez manifester au Bonnat, venez amener vos casseroles et qu'on fasse beaucoup de bruit. Voilà, on va faire du bruit. On va essayer d'influencer notre député, puisque M. Desprouvins avait dit que la première fois que ça s'est voté, il voterait contre la loi. On l'incite à continuer dans son idée et à continuer. Mais il avait voté contre la loi, je crois. Oh, il n'y a pas eu de vote, puisqu'il y a eu 49.3. Ah non, mais il y a une fois où il a voté. Oui, mais là s'il y a vote, s'il y a vote, qui maintient sa position, voilà. Et qui vote pour la suppression maintenant de la loi, puisqu'elle est passée, la suppression de la loi pour les 64 ans. Alors, pour continuer sur les violences que nous fait Macron, il a quand même dit qu'il allait faire une pause sur la réglementation environnementale et sociale. Ça veut dire quoi? Pour l'instant, comme il n'a rien fait et qu'il dit qu'il va faire une pause, je ne sais pas s'il va faire grand-chose d'ici la fin du quinquennat par rapport à tout ce qui peut amener des problèmes à la planète. Entre autres, en parallèle, ils nous ont parlé quand même du fait que la planète allait se réchauffer de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas faire grand-chose. Et alors par rapport à ça, aux 4 degrés, Alain, tu avais plein de choses à dire. 4 degrés, moi ça me semble difficile. En tous les cas, peut-être que la France arrivera à continuer à vivre paisiblement avec un réchauffement à 4 degrés. Mais il y a quand même des multiples pays, disons, qui sont en plus qu'en grande souffrance, hein, où on ne pourra plus vivre, on atteindra le seuil létal. À la fois un problème, disons, de chaleur et d'humidité, les gens ne pourront plus sortir. Et s'il y a 360 jours, on ne peut pas vivre comme des rats tout le temps à l'intérieur, et les pays pauvres, de plus, n'ont pas de climatisation, sont pas équipés. Donc, je pense par exemple aux pays d'Amérique latine, je pense aux pays d'Afrique centrale, d'Asie, et même d'Australie du Nord.
je crois que ça deviendra très difficile. Et donc il y aura des mouvements de foule, hein, des migrations obligatoires, puisque les gens ne pourront plus vivre chez eux. Oui, mais c'est pour ça qu'ils vont faire les lois anti-immigration tout de suite. Là, oui, disons, les gens sauveront leur peau. Ce qu'ils fassent n'importe quelle loi, quand on ne veut plus vivre chez soi, on va vivre ailleurs. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'on a choisi de vivre ailleurs. C'est quand même un sacré culot, parce que nous, on est en train d'expliquer qu'on va rien faire pour toi, puisque ça va monter de 4 degrés. Et pendant ce temps-là, on va faire une loi d'immigration. Donc les gens, on va les empêcher de venir. On leur pique tout ce qu'ils ont comme richesse chez eux, vite fait. On s'en sert et on les empêche de bouger et de venir chez nous. Donc il y aura, disons, un climat de violence extrême. Forcément. Hein. Parce que pour résumer, les mammifères ont biologiquement été conçus pour des climats polaires ou désertiques, car à sang chaud, mais bien adaptés dans un monde avec un climat stable. Or, notre homéothermie est de 37 degrés. Et en 32 et 42 degrés pour les autres espèces, les épisodes de chaleur de plus de 37 degrés sont compensés par la sudation. Mais dans une atmosphère saturée à 100% d'humidité, la sudation ne fonctionne plus. Quelle est alors l'espérance de vie d'un animal ou d'un humain? Nous ne sommes pas tous égaux et ce seuil est donc variable. Et la durée exposée avant un coup de chaleur mortel est en réalité une très large fourchette de valeur. Mais en moyenne, ce seront quelques heures au maximum si on dépasse les 35 degrés à 100% d'humidité. Dans un environnement chaud, le vaste réseau de vaisseaux sanguins qui se trouve sous la peau va aussitôt se dilater. La peau rougit sous l'afflux du sang, tandis que le cœur s'accélère pour pouvoir continuer d'alimenter correctement en oxygène les organes nobles tels que le cerveau. La perte d'eau est extrêmement rapide, puisqu'elle peut atteindre 2 à 3 litres par heure. Il faut donc compenser en buvant abondamment. Parmi les phénomènes extrêmes accompagnant le dérèglement climatique, la chaleur humide devient plus fréquente. Une étude publiée en mai 2020 a recensé à 2 reprises 35 degrés TW, le seuil de température humide mortel pour l'homme. Cela n'aurait pas dû survenir avant la fin du XXIe siècle. Oui, d'accord. Donc voilà, je crois que tout est dit. Non, mais que ça arrive au XXIe siècle ou que ça arrive au 50 ans avant, le problème est le même. Hein. Le problème, c'est que ça sera invivable. Et c'est pas parce que la France tirera un peu mieux sur les plaques du jeu qu'il faut dire cocorico et on fonce. Hein. Oui, disons, elle est un petit peu plus en retard, disons, par rapport à sa condamnation à mort. Mais de toute façon, il y a condamnation à mort. Je crois qu'il y a deux animaux qui vont s'en tirer à peu près et qui peuvent supporter tout ça. C'est l'araignée et la fourmi. Ah oui. Donc il restera pas grand chose. Oui, non, c'est... La Terre s'en remettra, hein, sur les années. Bien sûr. Puisque tout le CO2 qu'on... Une fois qu'on sera parti, tout va s'arranger. Tout le CO2 qu'on fabrique aujourd'hui, actuellement, il met 10 000 ans pour disparaître. Il en reste encore 10 000 ans après, 10%. Oui. Alors, il y a plein d'autres sujets, hein. On va continuer d'avancer sur ce qu'on avait prévu. Entre autres, il y a cette censure qui a été faite sur cette fille qui s'appelle Charline Van Hoenacker, j'espère que je ne dérange pas trop son nom. Et donc, elle, en fait, elle était chef de file d'une émission qui se faisait sur France Inter tous les jours, une émission humoristique, où à chaque fois, tout le monde en prenait pour son grade. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je veux dire, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre, les gens d'ailleurs, tout le monde. Quoi. Oui, c'est des chroniqueurs. Voilà, c'est des chroniqueurs. C'était ce qu'on appelait autrefois les chansonniers. Voilà, c'est les chansonniers, voilà. Exactement. Ça a toujours existé. Et donc, ils ont eu le malheur de s'en prendre à Darmanin. En tout cas, c'est ce que tu dis, toi. Voilà, la dernière fois qu'ils ont fait, avant de recevoir leur a dit comme quoi leur émission était finie, c'était Darmanin qui était là comme invité, et ben, comme à chaque fois avec Guillaume Meurice et Charles Hoenacker, ils ont fait leur émission, quoi, leur boulot, et ben, juste après ils ont reçu comme quoi l'émission était supprimée. Alors qu'elle avait très beaucoup de succès, au contraire, elle a monté dans les audiences, donc c'est pas de son fait à elle. Oui. C'est vraiment la chaîne qui a supprimé. Mais l'émission a été supprimée, mais vicieusement, je crois qu'elle est retardée. Alors, ils font exactement comme là-bas, c'est là-bas, c'est J'y suis, avec Hermès. C'est-à-dire qu'ils changent les horaires. Avec Hermès. Et là, ça sera une fois par semaine, au lieu d'être une émission quotidienne. Et ils sont quand même passés, pour revenir sur ce que tu disais, à 300 000 auditeurs au moment où ils ont commencé à faire l'émission. Et là, ils en étaient à 1,2 million. Donc, tu vois, ils ont fait que c'était une émission extrêmement suivie.
leur émission, parce que de toute façon, elle était de très bonne qualité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'humour, mais c'était de l'humour fondé, quoi. Oui, c'est des capins, mais bon, c'est des capins pour, voilà, pour dénoncer toutes les dérives et tous les mensonges, voilà, de la société. Bon. Et le rire est nécessaire dans une société. Et là, ben, on voit que notre guide, là, toujours pareil, qui nous explique que lui, il est gentil, en fait, hein, ou qu'il est juste tout ce qu'on veut, ben voilà, quand on déborde, ça ne lui plaît pas, il fout les gens dehors, quoi. Oui. Parce que là, c'est vraiment complètement macroniste, hein, faut pas se raconter l'histoire. Oui, mais enfin, bon, quand c'était De Gaulle, quand c'était le RTF, De Gaulle, Chaban Delmas et compagnie, avait un œil sur la télévision qui était, voilà, qui était mortifère, hein, celui-là qui était passé une oreille, paf, ça ne tardait pas. Hein, donc, on retourne dans les années 60. Alors, pour retourner dans les années 60, il me semble aussi que ça veut dire supprimer, par exemple, le budget de la culture, tu vois, ou beaucoup le baisser. Là, on a un mec pas mal, là, c'est M. Wauquiez, là. Oui, ben oui, ben voilà, c'est à Lyon, c'est leur directeur de, je sais pas, dans Lyon, directeur du quelque social, et qui a voulu critiquer la position de Wauquiez avec la culture. Ben voilà, plus de situation. Wauquiez, le seigneur des panneaux. Oui, le seigneur des panneaux, tout à fait. Oui, celui-là qui fait des repas à 5000 euros. Voilà. Alors j'ai vu qu'il avait mis encore, il a encore frappé, hein, un nouveau panneau. C'est à la maison de la mobilité. Alors là, il a fait fort, hein. Il a fait travailler le copain, parce que le truc, il doit faire au moins 10 mètres sur 2 ou 3 mètres. Ah ouais, oui, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Ah oui, c'est... Je dis, la prochaine étape, je pense qu'on aura sa photo dessus. Mais sa photo après. Ah oui, bien sûr. Ça va rappeler certains pays. Ouais. Alors c'est vrai que bon, ces dérives qu'il peut y avoir, là c'est une dérive libérale, hein, parce qu'en fait ils filent le fric aux chasseurs, ils ne filent pas le fric à la culture parce que ça fait réfléchir. Comme ça, bon, le pays libéral, c'est un pays dans lequel les gens ne réfléchissent pas, ils consomment, c'est tout. Hein. Et on se retrouve quand même au seuil de quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il va y avoir la note de Standard & Poor's, hein, une agence de notation qui va donner sa réponse le 2 juin pour la France. Et là, je te dis que Bruno Le Maire et Macron, ils tremblent un peu quand même, parce que, en fait, comme ils ont fait leur réforme contre le peuple, ben, c'est pas passé inaperçu sur le fait que maintenant, notre pays n'est plus forcément si attractif que ça, malgré tout ce qu'ils ont pu nous dire. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est quand Macron a parlé de 13 milliards d'investissements étrangers. Là. Oui. 13 milliards d'investissements étrangers, mais 8000 postes créés. Alors quand tu fais le compte, 13 milliards, 8000 postes, ben finalement tu arrives à un poste pour 1,5 million. Tu crées un poste pour 1,5 million. Moi je ne sais pas si on n'est pas devenu en fait un pays, tu sais, comment on dit, là, les pays où on peut mettre ses sous et puis on ne paye pas l'impôt, là. Comment on appelle ça déjà? Les paradis. Les paradis fiscaux. C'est ça. Et ben voilà. En fait, là... Lui, il a crié cocorico quand il a fait ça, tu sais, c'était dans le Nord la semaine dernière. Là. Mais en fait comme il a énormément baissé les impôts sur. Voilà, on se retrouve à être un paradis fiscal cocorico. Oui, mais enfin, c'est au détriment de beaucoup de. Du social, énormément de. Voilà. Et donc, on peut se poser la question si, de la même manière, les entreprises étrangères qui vont venir ne vont pas racheter les entreprises françaises, ce qui va être certainement le cas pour certaines. Hein. Et puis, il va y avoir une concurrence encore un petit peu plus, un peu plus dure pour les travailleurs français. Enfin, voilà, c'est ça qui va se passer. Mais si on veut faire la concurrence, qui met l'électricité à son prix, les entreprises, déjà, quelques-unes ne fermeront pas, comme le Duralex et compagnie, et elles sont concurrentielles par rapport à l'étranger. Mais tant qu'on veut continuer toujours, on revient toujours au projet Hercule et compagnie, et la reine, tant qu'on veut rester dans cette théorie-là de libre concurrence pour l'EDF, ben, pour l'électricité, ben voilà, on trouve l'électricité énormément cher, alors qu'on peut l'avoir nettement moins cher et être concurrentiel après avec les autres pays. Avec l'électricité, ils ont créé, on peut le dire en rigolant, ils ont créé l'usine à gaz, hein, parce que c'était très simple avant, le schéma était simple. Oui, on reviendra pour finir sur ce que tu dis sur les barrages, hein, tout à l'heure, à propos d'EDF, mais juste je voudrais rajouter que là, notre pays soi-disant, d'après Macron, est le plus attractif. C'est pas vrai. Donc Macron, il ment parce que notre pays est le 6e le plus attractif pour les financements étrangers en Europe, et il est 18e à l'échelon mondial. Donc
Il ment, par exemple, là. Et après, il est capable de te dire, mais quelqu'un qui ne dirait pas, qui serait violent ou qui serait méprisant, ça serait un menteur. Tu vois, il est capable de mentir 5 minutes après. Il dit souvent tout et son contraire. Ouais, il est capable de dire. Et puis après, il parle de sa pomme, ma pomme, ma pomme. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview. Mais c'est, on a vu le maire avec ses pattes. Ah. Le pauvre le maire qui se plaint avec ses 4 enfants, les pattes assez chères. Voilà. Ils se foutent de notre gueule. Ah oui, complètement. Ils sont extrêmement méprisants. Mais ils sont tellement ridicules que tout le monde en a rigolé, je sais pas. Oui, ouais, mais si tu veux, je trouve que ça va vachement loin quand même. C'est montrer à quel point ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils sont déconnectés ou je sais pas. Je sais pas, oui, peut-être irréaliste ou fumiste, peut-être les deux à la fois. Et il va donner 2 milliards de baisses d'impôts, tu sais, pour les classes moyennes, c'est-à-dire pour environ 10 millions de Français. Il a déjà donné 4 milliards, il faudrait peut-être le rappeler, pour 500 000 ménages. C'est ceux, les 1% les plus riches en France, hein, l'ISF, etc. Hein. Ouais. Donc voilà, là, ils nous font des trucs. Oui, mais moi, je vais m'occuper des classes moyennes. C'est vrai qu'oser parler de ses difficultés de père avec ses 4 enfants, un type qui est ministre, quoi. Il faut être gonflé, quoi. Ou alors il est tombé dans ses escaliers, quoi, pour tenir la mission. Il a expliqué que mais les gens avaient grossi le truc parce que c'était complètement mensonger. Il gagnait pas pratiquement 10 000 euros par mois. C'est pas vrai. Il gagne que 7 980, je sais pas combien, tu vois. Donc imagine, tu vois, donc il gagne quasiment 8 000 euros et donc il peut pas payer les paquets de pâtes. Ça compte les livres qu'il fait. Donc là, on a eu un aperçu du dernier livre qu'il a fait, qui a fait très, très parler des gens et très rigoler d'ailleurs. Alors que je disais, tu voulais nous parler aussi des barrages. Oui, alors le truc, la polémique là, sur l'EDF, avec l'histoire de la nationalisation et non de l'étatisation, pour éviter que l'EDF soit coupé en morceaux là, et vendu à la découpe au privé. Alors maintenant, les agents EDF ils tirent la sonnette d'alarme au sujet des barrages hydroélectriques, qui sont un peu de partout sur les fleuves français et qui servent pas qu'à faire des cités, qui sont là pour alimenter en eau autant pour les citoyens que pour l'agriculture. Et là, les concessions de barrages, parce que c'est l'État le propriétaire. EDF n'est que concessionnaire des barrages. Il n'est pas propriétaire des barrages. Donc là, les concessions, normalement, elles arrivent à terme. Et là, on peut citer le cas, si ce n'est pas avant l'été, ça sera après l'été. Le barrage qui nous concerne le plus près là, de Montpezat, il va être en 2025, la concession va être finie. Donc la question va se poser, et on va la poser aux élus, comment ça va se passer? Parce que si l'EDF ne renouvelle pas la concession EDF, qu'est-ce qui va se passer si ça tombe dans le privé? Parce que quand même, le barrage de Montpezat alimente toute la basse Ardèche en eau potable, sans compter toute l'agriculture qui s'en sert, sans compter tout le tourisme, que ce soit en amont le lac d'Issarlès pour les touristes de la montagne, que ce soit pour la vallée d'Ardèche pour le canoë. Je ne vois pas comment on pourrait. Et c'est qu'un exemple pour nous, hein, regarde notre nombril, mais c'est là, tous les barrages qui ont une importance vitale pour des bassins de vie, et je ne vois pas comment on peut les privatiser. Et j'en appelle là aux citoyens quand ce sera le moment. Donc les privatiser, ça veut dire qu'on va payer ces taux là, autrement voilà. Qu'on l'appelle. Oui, parce qu'après, après ça va être du chantage. Les actionnaires vont retrouver leurs sous et ça va être du chantage. Donc Montpezat, Denis, pourrait être éventuellement privatisé. Bien sûr, la concession finit en 2025. Donc après, c'est remis en question, un prix d'électricité, disons, décidé par celui qui achète. Voilà, et puis l'eau, le passage de l'eau, est-ce qu'on laisse passer de l'eau ou pas de l'eau? Alors que l'eau, c'est un bien commun. Voilà, donc je pense que ça va remonter au créneau, enfin, nous, les citoyens, et faire pression sur les députés. Sans parler de toutes les installations qui ont été faites, parce que je crois que Montpezat, l'eau vient d'Issarlès, il me semble. Oui, tous ces chantiers qui ont été faits par l'État. Oui. Payés par le contribuable. Bien sûr. Donc là, je pense que ça va être un gros problème. Comme les autres routes. Ça va être un gros problème. Et dans la Vallée du Rhône, c'est pareil, parce qu'en plein, il manque de l'eau dans la Vallée du Rhône, les centrales nucléaires sont obligées de s'arrêter parce qu'il n'y a pas assez d'eau, qu'elle est trop chaude. Si ça venait à être privatisé, ça serait une catastrophe. Alors juste pour finir, parce qu'on est à la fin de l'émission, je voudrais rappeler le fait que le collectif social Castagne était en manifestation le 23 mai à Alissas. Ils avaient mis un grand panneau, ils avaient mis un grand truc sur le pont d'Alissas qui est au-dessus, là,
sur le fait que c'est la mort des travailleurs sociaux en Ardèche avec les budgets Vauquier, Amran, etc. Voilà. Bon courage à tout le monde pour subir, continuer. La gendarmerie est vite venue l'enlever, ou la police est vite venue l'enlever. Bon, mais ça a été toute la matinée quand même. Oui, mais c'est bon. Sortir la tête de l'eau, on va arriver à sortir la tête de l'eau, mais ça va être dur. Ouais. Allez, respirez bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.